C'est avec même plaisir nous rentrer la CAO dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à président provisoire Jocelyn Privert, en tête d'une délégation qui était pays d'Haïti, jeudi mercredi 20 avril 2016, là, pour la participer dans la signature accord Paria 22 avril 2016 là, dans la ville de New York. Cependant, président provisoire Jocelyn Privert fait connaître divers travaux qui sont déjà réalisés dans quatre batailles pour arriver à créer un climat sécuritaire dans le pays pendant le métier accent sur l'organisation élection. Le président provisoire a déclaré qu'AEP a travaillé sur l'élaboration d'un calendrier électoral sorti 15 pour arriver 31 mai cap vini là dans quatre organisations élection. Installation journée mercredi 20 avril 2016 là, ancien député Geneste Jean-David comme nouveau secrétaire d'État pour formation professionnelle. Cérémonie s'est déroulée en présence plusieurs cadres dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle. Geneste Jean-David qui remplaçait dans poste Marina Goug-Promet pour collaborer avec tout secteur dans le ministère pour permettre secrétaire d'État pour formation professionnelle à atteindre objectif. L'État haïtien pas en mesure pour répondre à la revendication médecin résident de l'hôpital général qui a réclamé augmentation salaire selon conseiller technique ministère Santé publique et population, docteur Julio Desormo, qui dit qu'il reconnaît légitimité mouvement revendication personnelle de la santé au cas réclamé puis bon conditions de travail. Cependant, docteur Julio Desormo fait connaître c'est une obligation pour l'hôpital public de continuer de travailler. Dans le pays de l'autre bord, le président américain Barack Obama a visité officiellement, jeudi mercredi 20 avril 2016, le pays Arabie Saoudite. Visita rentré dans le cadre de relations américano-saoudiennes qui est assemblé, refroidi depuis après accord nucléaire là avec le pays Iran. N'a pas rappelé chef de l'État américain débarqué dans l'aéroport Riyad là sans accueil traditionnel roi saoudien qui pas jugé bon pour te déplacer. Mika, ou est-ce que tu prépares tout? Moi qui oublie. Avec aucun chien avantage qu'à Unibuck du côté ça va ou qui sont à faire avec qu'à Unibuck du côté, pas gagné à faire des marchés à pile cash dans mon corps. Et puis, dans n'importe qui ATM ou IV, vous mettez petit qu'à Unibuck du côté pour là, vous tirez l'argent plop plop. Ou vous passez qu'à tout. Vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein? Faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce qu'à faire fausse route. Eh bien, comment c'est qu'on y a? Payez manger avec qu'à Unibuck du côté pour là. Tout côté! Unibuck du côté, il simple, il rapide, il bon. Plus d'informations, relez-nous dans 2299-2020. Allô, mamie? Allô, titine? Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je suis venue tout à l'heure comme ça. Vous n'avez pas d'affaire pour un petit lait pour moi, un petit citron? Mamie, je ne sais pas bien assez comme non. Faut me tourner la caille pour me prendre un petit cob après ça m'a tourné bien acheter pour mamie. Non, 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 pas inquiète, chérie. Et quand vous avez un petit peu de temps, téléphone pour ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou à un nid faire un compte mon cash sur téléphone Digicel ou et puis même côté à téléphone dans vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer qu'à yon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou à qui yon 4 d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse au soir il est dans 202 sous Digicel pour qu'avoir l'argent bay moun ouvle les ouvle n'importe côté plus facile plus rapide mon cash moyen plus pratique pour voyer à recevoir l'argent. Oui, programme ça, c'est un 4x4 cap marché détruit maladie filariose dans tout pays. Nous connons des monde qui souffre maladie gros pied. Que des l'autre même gros sable macoucloa, pas mander sa maladie filariose café ou mander son café contre maladie filariose. C'est facile. C'est détruit maregouin et puis vite prendre médicament contre maladie filariose. Moun taba, date là c'est sorti jeudi 7 pour arriver dimanche 10 avril. Cité Soleil, date pas, c'est sorti jeudi 14 pour arriver dimanche 17 avril. Camion prévention a roulé, l'a campé dans Delma, dans date 21 pour arriver 24 avril. Port-au-Prince, date pas, sorti 28 avril pour arriver dimanche 1er mai. Ensuite, l'a font coup de tête dans Pétionville, sorti jeudi 5 pour arriver dimanche 8 mai. Gardon feeling, pompon, cafou tête droite, date là, sorti jeudi 12 pour arriver dimanche 15 mai. Allez dans poste distribution qui tout prébola caillou, ou attendez au dire, main d'ec, main albendazole. Amen, filoyeuse prenant gomme. C'était un message, ministre de la Santé publique à la population.
Président provisoire Jocelyn Privert en tête d'une délégation qui était pays d'Haïti jeudi mercredi 20 avril 2016 là pour la participer dans signature accord Paris à 22 avril 2016 là dans ville New York. Selon le président haïtien, signature accord ça pourra faciliter pays signature faire face à changement climatique la Cap Vallée terrain dans monde là. Jocelyn Privert, c'est président provisoire qui t'a porté plus de détails dans micro d'Arline François avec Jean-Sony Lemay. Le secrétaire général des Nations Unies, ma voix est aujourd'hui par les Nations Unies, nous parlons les 147 chefs d'État et de gouvernement qui étaient réunis à Paris en décembre dernier, qui étaient préparés un accord qui était conclu à l'occasion du 21e sommet des pays sur les changements climatiques et document ça, convention ça, vendredi, 147 chefs d'État et de gouvernement pour le parapher, qui pourraient permettre que chaque pays prenne engagement au travail pour limiter les gaz à effet de serre, au travail pour la régénération de l'environnement et faire face au changement climatique qui a affecté en pile pays dans le monde et surtout les petits pays insulaires. Et c'est dans le cadre de ça que m'a voyagé aujourd'hui. Et m'a accompagné de ministre de l'Environnement, Jean-Paul Parolatila, des membres de mon cabinet, et ensuite les deux présidents des deux chambres, qui vont rejoindre avec demain, qui symbolisait la parfaite harmonie qui gagnait entre les deux pouvoirs d'État. Et nous connaissons même son parlementaire féminin et nous connaissons son parlementaire dans l'âme. Et un tel événement, qui est le deuxième grand événement que lié après son sommet de Paris, donc je pense que pour telle initiative, les demandés présents des plus hauts responsables de l'État, c'est ça fait que nous demandons deux présidents qui ont été accompagnés dans le cadre de mission ça et qui ont fait partie de la délégation. Donc c'est ça qui justifie ma partie aujourd'hui et ma retournée samedi. Président provisoire fait connaître divers travaux qui déjà réalisés dans quatre batailles pour y créer un climat de sécurité stable dans le pays pendant le mettre accent sur l'organisation élection. Président provisoire a déclaré qu'AEPA travaille sur l'élaboration calendrier électoral sorti 15 privé 31 mai cap venir là dans quatre organisation élection. Jocelyn Privert, c'est président provisoire qui était dans le micro radio télé éclair. Déjà fait premier travail ça et publié un calendrier d'action et puis croit que entre le 15 et le 31 mai, il va élaborer un calendrier électoral qui après tout le monde connaît dans qui date l'élection va être faite, élection pour les 6 postes manquants au Sénat et les 2 postes qui sont devenus vacants, élection pour les 27 sièges encore manquants à la Chambre des députés, élection présidentielle, deuxième tour élection présidentielle et encore l'élection pour les 575 organes des collectivités territoriales, notamment les conseils d'administration des sections communales. J'en note qu'on est depuis la semaine dernière, depuis lundi dernier, le conseil a transmis à la présidence les résultats pour 69 municipalités qui n'étaient pas l'objet de contestation. Et hier encore, nous recevons un dernier, qui c'est 70. Donc, il y a 70 conseils d'administration, conseils municipaux qui, en cours de publication, qui déjà transmis au moniteur pour publication. Et la semaine, dans les jours qui viennent, le conseil annonce les PCN devant statuer sur les dernières, sur les contestations qui ont déjà fait l'objet de recours au BCEC. Et à partir de cette publication, donc, les 141 aux organes de collectif de municipalité à installer dans la fonction yo, qui va permettre que la gestion de ces entités territoriales autonomes va l'assurer par des gens qui bénéficient de la légitimité populaire et non pas par des gens nommés par l'exécutif.
D'informations diverses, organisations tant qu'UNO, MODEP, SEC, GAMSI, pour ne citer ça, ont seulement réagi après déclaration secrétaire d'État américain John Kerry avec ancien ambassadeur américain en Haïti Kenneth Martin sur question élection côté organisation fait qu'on est c'est une insulte pour souveraineté pays d'Haïti. Secrétaire général Union Nationale Normalien haïtien, professeur Josué Mérilien, critiqué comportement des faits qu'on est, communauté internationale affichée dans le dossier politique d'Haïti. Pendant le mandat pour corps cap financier, élection yo sorti en dents, trésor public là dans l'idée pour mettre fin à financement et puis arrogance internationale là dans affaires politiques pays. Josué Mérilien, c'est secrétaire général Union Nationale Normalien haïtien, qui était dans le micro. Garlens lui avec Marc Enson le registre. Ensemble, organisation qui là, nous constaté que la communauté internationale là, c'est pour imposer nous la loi. Loi, yo. Yo sorti pour dicter, vous voyez, sans comment en fait, gêner, ça pour faire. On dit que c'est le savon de la caillou. Nous, voyons que pour arriver à ça, qui s'est fait, et gagner, qui a multiplié, déclaration arrogante, sous déclaration arrogante. Côté au faire connaître, comprendre, côté eux-mêmes, ils dit, ils parlent de question, commission et vérification qui doit permettre de nous découvrir ensemble magouille, corruption qui était faite dans l'élection piqué collé 9 août à 25 octobre. Nous constater avec un peu d'indignation, un peu de colère, et Jean, qui est Martin, John Kerry, et un député, un ancien député canadien. Trois sénateurs et républicains, à Claude encore, ambassadeur d'Allemagne là tout, après rentrer bouche toute longueur, ça qui garde Haïti. Nous, en tant qu'Haïtiens natifs natal, ça indigne nous, et nous pensons que c'est parce que les pour faire élection qui sont actes de souveraineté, nous faisons sous occupation, et nous faisons tout avec COB qui sont dans main blanc là. Donc, nous disons que nous-mêmes, population, moun conséquent de pays, nous dit désormais, faut élection faite avec l'argent trésor public. C'est pas comme ni américain, ni français, ni anglais, ni canadien qui doit servir pour organiser l'élection. C'est comme trésor public pour éviter, pour mettre bout à arrogance, ingérence, comme équipe Mounsilayo, parce que avec quelques dollars, il faut que vous capable de rentrer face à vous en direction. Santé, l'État haïtien pas en mesure pour répondre à la revendication médecin résident, l'hôpital général qui a demandé augmentation salaire selon conseiller technique, ministère Santé publique, avec population, docteur Julio Desormeaux, qui dit de reconnaître légitimité, mouvement revendication personnel santé au cas proclamé, puis bon condition de travail. Cependant, docteur Julio Desormeaux fait connaître ses obligations pour l'hôpital public qui continue de travailler. Julio Desormeaux, c'est conseiller technique, ministère Santé publique, avec population, qui est dans le micro, radio, télé et éclair.
Dossier éducation installation journée mercredi 20 avril 2016. L'ancien député Genesté Jean-David comme nouveau secrétaire d'État pour formation professionnelle cérémonie a été déroulée en présence plusieurs cadres dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Genesté Jean-David qui remplacé dans pour ça Marina Goug promet que pour collaborer avec tout secteur dans le ministère pour arriver permettre cette catégorie d'État pour formation professionnelle là atteindre l'objectif là. Genesté Jean-David, c'est nouveau secrétaire d'État pour formation professionnelle, là, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Toutefois, je suis optimiste, très optimiste, car avec la collaboration de tout un chacun, nous pouvons relever ensemble les défis. Monsieur le ministre, distingués invités, je place ma fonction de secrétaire d'État à la formation professionnelle cet après-midi sous le signe de l'humilité, du travail bien fait, de la modernité et de la rectitude. J'assumerai mes fonctions ou encore mes responsabilités dans la loyauté, l'équité, la droiture à l'endroit de chaque membre du personnel de l'institution. Quelles que soient ses convictions politiques, philosophiques ou idéologiques. Dans mes décisions, j'aurai comme boussole la Constitution haïtienne de 1987 amendée et les lois de la République. À tout le personnel, je donne la garantie que nous allons entretenir une relation de confiance. Nous allons instaurer un climat de dialogue permanent et constructif, gage de notre efficacité. J'en appelle donc à la participation de tous les cadres techniques, tout le personnel sans distinction aucune. Le temps est court, très court, et le travail est immense. Cependant, on peut toujours réaliser des choses extraordinaires dans un temps record. Pour ma part, je vous assure que je ferai mon travail avec passion. Car comme pour reprendre le grand philosophe allemand Hegel, rien de grand ne se fait sans passion. Monsieur le ministre, honorable parlementaire, ancien et nouveau, je m'adresse aux nouveaux, distingués invités, durant mon passage à la secrétaire d'État à la formation professionnelle, parmi les nombreux objectifs que je me suis fixé, patientez de souligner deux qui me tiennent à cœur. Premièrement, doter la secrétaire d'État à la formation professionnelle d'une loi organique, armature juridique, indispensable à tout effort de développement et de modernisation du secteur. Deux, produire un travail d'enquête pour mieux connaître le secteur de l'enseignement professionnel dans ses grandes potentialités et faiblesses afin de mieux l'encadrer. Discours circonstance libre représentant ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, dans la cérémonie installation ça Abel Nazaire commandé collaboration tout cadre dans le ministère pour faciliter bon fonctionnement secrétaire d'État pour formation professionnelle là Abel Nazaire c'est représentant ministre éducation nationale et formation professionnelle là dans cérémonie ça qui t'a porté plus détails dans micro Radio Télé Éclair. Pour les prochaines actions que la formation professionnelle doit produire dans notre pays, j'invite donc tout le personnel du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle à offrir leur collaboration au nouveau secrétaire d'État ici présent pour la réussite de sa mission. Les partenaires techniques et financiers sont également invités à accompagner le secrétaire d'État et à poursuivre les projets de collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle pour le développement intégral de ce sous-secteur. Je voudrais donc, pour terminer, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le ministre Dawson, de procéder à l'instant
à l'investiture de M. Jean-David Genesté comme nouveau secrétaire d'État à la formation professionnelle. Je te souhaite donc, David, du succès dans ta nouvelle fonction. Information, 5 militants qui démarraient depuis 3 jours en grève gangou devant local qui logeait primature en bicentenaire par décider quitter rentré bureau premier ministre. Malgré état santé, ont commencé à détériorer. 5 militants ça y fait qu'on est à observer mon rôle de grève là jusqu'à ce que revendication satisfait la invité au suivre déclaration yon nan militant gréviste sur un micro radio télé éclair. Nous disons nous-mêmes, nous pas cacher ta garder tant que militant pendant que nous sénateur vini ministre. Sénateur vini président, on pas qu'être dirigeant politique pendant 5 ans nous t'ap goumen avec yo. Kounya nou gen coupé cheveux k'ap rentre dans palais. Gen t'ap rentre dans primati, gen k'ap rentre affaires sociales dans tout ministère, dans toute administration d'état. Puis nous même militant de base yo, nous pa gen rien et ou pa jam di nou ki sa yo ki jan accompagner nous. Donc nous di nous même militant de base qui nan béton an, nous di avec Justin Privé, avec premier ministre là. Faut gagner intégration basio parce que pouvoir ça c'est nous t'es accouché le tout nous même militant des basio c'est pas celle nèg militant politique qui t'es accouché c'est ça qui fait jodi à là nous dit nous pas gagner l'autre façon pour nous faire tendre voir nous même militant des basio c'est une grève de faim pour nous faire et n'a toujours dit ça 3 jours après pour que j'aime rencontrer nous même moi était quoi privé tant que président privé tant que président et ministre premier ministre Ernest Jean et Jean Charles il a tendu nous parce que pas non désert nous a prêché dans non désert n'a parlé c'est côté qui est monde son administration son ministère l'état ça fait nous servir avec article 19 22 côté que nous gain tout droit ça pour nous manger pour nous boire des privilèges pour nous gain caille pour nous vivre dans bon condition. Donc nous était quoi et il a répondu nous quand même il a tendé voir peuple là. Non pays l'autre bord de la justice norvégienne tranché en faveur Anders Breivik côté massacre qui détruit 77 personnes parmi eux 69 adolescents sur l'île Toyane dans l'année 2011. Anders Breivik qui était en prison depuis 5 années a porté plainte contre l'état norvégien pour mauvais traitement il recevoir en prison un jugement qui t'a provoqué en pile réaction la taille population norvégienne. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Des appareils de musculation, une console de jeux vidéo et 3 cellules mises à sa disposition, des conditions de détention a priori favorables. Pourtant, le tribunal a tranché en faveur d'Anders Breivik, qui portait plainte contre l'État norvégien pour traitement inhumain. Le point important, c'est que la Cour a jugé son isolement comme une violation de l'article 3 de la Convention des droits de l'homme. Et c'est pour cela que nous avions porté plainte, pour mettre un terme à cet isolement. Anders Breivik, jugé dangereux, est condamné pour le massacre de 77 personnes, dont 69 adolescents sur l'île du Toya, avait été placé en isolement depuis 2012. L'extrémiste de 37 ans réclamait la fin de la surveillance de son courrier et la possibilité de recevoir les visites de ses supporters néo-nazis venant de l'extérieur. Des demandes retoquées par la justice norvégienne qui l'autorise néanmoins à entrer en contact avec d'autres prisonniers. L'État et les familles des victimes ont accueilli ce jugement avec philosophie. En général, nous sommes surpris et nous sommes en désaccord avec les parties du verdict contre nous. Concernant certaines parties de l'affaire, nous sommes heureux. Nous devrions être heureux que la Norvège ait un système judiciaire qui se fait son propre jugement. Les groupes de défense des droits de l'homme avaient alerté par le passé sur le recours trop systématique à la détention en isolement en Norvège. La Norvège aujourd'hui condamnée à s'acquitter des frais judiciaires de Breivik, soit près de 35 000 euros. Toujours dans le pays de l'autre bord, le président américain Barack Obama visite le jour mercredi 20 avril 2016 le pays Arabie Saoudite. Visite ça rentrée dans le cadre de relations américano-saoudiennes qui est assemblée refroidie depuis après signature de l'accord nucléaire là avec le pays Iran. N'a souligné chef l'État américain débarqué dans l'aéroport de Riyad sans accueil traditionnel roi saoudien qui parle du Gébon pour te déplacer. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Voilà. Tapis rouge pour Barack Obama, accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Riyad. Le protocole est scrupuleusement respecté, mais il ne faut pas se fier aux apparences, car derrière les sourires de circonstance se cache une profonde rancune. Le royaume wahhabite est toujours ulcéré par l'accord sur le nucléaire iranien et ne digère toujours pas le rapprochement de son allié historique avec son ennemi chiite.
Le déplacement du président américain, qui avait été retransmis en direct par la chaîne nationale l'an dernier, a été boudé cette fois, comme pour souligner la distance entre les deux alliés. Une tension renforcée par les déclarations de Barack Obama mi-mars dans le magazine The Atlantic. Le président américain a appelé ses amis saoudiens à trouver un moyen de partager leur voisinage avec Téhéran. Une formulation qui reste en travers de la gorge des Saoudiens. Aujourd'hui, le secrétaire d'État à la Défense tente d'apaiser les esprits. Les États-Unis partagent avec leurs partenaires du Golfe la même analyse sur l'Iran. Si l'accord du 14 juillet empêche Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire, de nombreuses autres questions préoccupantes demeurent sur le comportement de l'Iran dans la région. L'Iran n'est pas la seule raison de l'indigestion saoudienne. Il y a aussi le refus de l'engagement américain en Syrie contre les forces du président Bachar al-Assad. Et puis le rôle de l'Arabie saoudite ou de certains de ses responsables dans les attentats du 11 septembre. Des élus souhaitent pouvoir traduire en justice ces derniers. Le président Obama s'y dit défavorable. Voilà, cela nous mettait fin à la troisième sortie. Vous n'allez nous coucher maintenant, mais avant nous partir, nous rappelons quelques principales informations qui tape dominé l'actualité. Hein? Président provisoire Jocelyn Privert, en tête d'une délégation qui était pays d'Haïti, jeudi mercredi 20 avril 2016, là, pour la participer dans la signature accord Paria 22 avril 2016 là, dans la ville de New York. Cependant, président provisoire Jocelyn Privert fait connaître qu'il y a divers travaux qui sont déjà réalisés dans quatre batailles pour créer un climat sécuritaire dans le pays pendant le métier accent. Sous organisation élection, le président provisoire a déclaré qu'AEP a travaillé sur l'élaboration. Un calendrier électoral sorti 15 pour arriver 31 mai cap vini là dans quatre organisations élection yo. Installation journée mercredi 20 avril 2016 là, ancien député Geneste Jean-David comme nouveau secrétaire d'État pour formation professionnelle. Cérémonie s'est déroulée en présence plusieurs cadres dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle. Geneste Jean-David qui remplaçait dans poste Marina Goug promette pour collaborer à tout secteur dans le ministère pour permettre ce que secrétaire d'État pour formation professionnelle là atteindre objectif. L'État haïtien pas en mesure pour répondre à la revendication médecin résident l'hôpital général qui a réclamé augmentation salaire selon conseiller technique ministère santé publique et population docteur Julio Desormo qui dit qu'il reconnaît la légitimité mouvement revendication personnel la santé au cap réclamé puis bon conditions de travail. Cependant docteur Julio Desormo fait connaître c'est une obligation pour l'hôpital public qui continue de travailler. Dans le pays de l'autre bord, le président américain Barack Obama a visité officiellement, le mercredi 20 avril 2016, le pays Arabie Saoudite. Visite ça, rentré dans quatre relations américano-saoudiennes qui ont assemblé, refroidi depuis après accord nucléaire là avec le pays Iran. N'a pas rappelé chef de l'État américain débarqué dans l'aéroport Riyad là sans accueil traditionnel roi. Saoudien qui pas de juger bon pour te déplacer. Des principales informations à diverses fois qui t'ont fait essentiel. Troisième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.